Bonjour les amis, la team SPCC dépollution de retour. On est revenu au dernier spot là où on avait fait à peu près un peu plus de 54 kg de ferraille. Aujourd'hui, il y a un nouvel abonné là qui a voulu se joindre à la team. Donc, pas de problème. Aujourd'hui, on est trois, Cathy, moi-même et il y a Patrick, bien sûr. Allez, je vous dis à tout à l'heure si on fait des belles choses. Voilà. Donc, premier lancé, Philippe a lancé son aimant. Et premier lancé, il est coincé. Donc, on a dû sortir le tire fort. Il est venu. Et voilà, ils viennent de le lancer, de le sortir. Ok, mais c'est du gros, ouais. Et je dois avoir quelque chose de monstrueux là. Oh, au moins une baleine. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, sur la caméra. Donc, mais c'est une traverse avec du bois et de la ferraille. Ça doit venir du. Ça doit venir du. Des rails en haut. Regarde, c'est une traverse de bois. Et t'as dû attraper sur le fer. Regarde. Ouais. Oula, marre. Ah, puis j'ai sorti les gants. C'est une traverse de... De chemin de fer. Ouais. Et t'as attrapé les clous. Eh oui, sur une plaque où je suis. Eh bien, on va laisser Philippe se dépatouiller avec son truc. Bon, là. Je vais remettre les gants. Attends, chaque chose, on s'entend. Allez, on va voir ce que fait Patrick. Ah ouais. À rien faire dans l'eau, comme rien on dit. Faire dans l'eau. Et ça fait quoi? 10 minutes? Un quart d'heure? Ouais, et il a déjà fait tout ça. Eh bien, c'est bien. Thank you.
ton... Et voilà, et ben j'ai coincé mon aimant. Ça va Patrick? T'es coincé toi aussi? Eh ben. Ne tire pas, on va arriver. Attends, je me sors le matin. Ici, madame? Oui, oui. Donc apparemment, Patrick est coincé aussi. Ça va. Vas-y, là, t'es bon là ou un peu plus? Un peu plus. Vas-y. Attends, vas-y. C'est bon. Allez, c'est parti pour le repérage. Allez, on va. Après, il faudra le faire à ta tête. L'autre jour, deux fois tu t'es coincé. Moins zéro. Par contre, c'est ça. Il a lâché. Tu dois avoir quelque chose de gros, non? Non. Pas tant que ça. Tiens. Ah, j'ai accroché. T'as débloqué mon aimant? Oui, oui. Bon. Attends, je défais les nœuds parce qu'une fois, après on va aller. On va aller là-bas. Non, à Patrick, je vais le tirer comme ça, peut-être. Il t'a jeté vers moi ou quoi? Il est arrivé là, coincé. Bon, on va essayer, attends. Bouge pas. Là, j'aime pas ce truc. Attends. Là, on le prend plus loin. Ah non, c'est bon, ça défaut. T'es sûr? Là, si tu te mets au plus loin. J'ai plein de trucs. Là, si tu le mets par là, ça ne bouge pas. Attention, ça ne bouge pas. Non, mais j'ai ma chute. Le petit espagnol. Et bonjour toi. Et bonjour toi. Le petit espagnol. Deuxième sauvetage. Tu veux que je le fasse, je suis plus grande que toi. J'aurais dû descendre un peu de la corde, moi, pour me trouver en bas. Tu veux que je Je sais pas. Non. Non, il est tendu.
Il est pas venu, hein? Non. Je vais mettre du WD. Une plaque de fer à rien faire dans l'eau. Bon, et bien moi je vous reprends quand on a sorti quelque chose après avoir débloqué Patrick son bit et puis le mien. Donc je vous reprends tout à l'heure et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. On sort des V de la victoire quand même. C'est beau. Un pouce bleu pour Patrick. Bon, je laisse un petit peu. Hein. Je ferai des coupures. Attaché la porte. Oui. T'inquiète pas, c'est pas le problème. Oh les gamelles, elles font ça. Oh là là, les gamelles, ça répète. Il y a des fois, je dors. Ah, ça coince. Il y a des. Ah, c'est pas vrai. Oh non. Ce coin, il est. C'est pas possible. Hein. Ça vient, hein. Tu dois être sur quelque chose. Attends, attends, il faut tirer tout son lit là. Viens. Ah, c'est pas possible. Je le sens tout ça. Attends. Je le carré parce que... Oh, y a pas de... Je le sens, je le bouge. Et attention de ne pas tomber dans le... C'est venu. Je le sens tout. Il y a à plusieurs, c'est sûr que ça va le bouge. T'as pris des gros micros aussi. Regarde, il est minute là. Ça ne bouge pas, tu vas aller dans le milieu. Parce qu'on va se finir. T'as pas dans ici, dans les corps. Ah! Bon alors une plaque. Une plaque. Un boulon. Une mini barre de fer à rien faire dans l'eau. Et ça, regarde chérie, c'est pas un truc pour les perceuses. Là, c'est pas des trucs pour les trucs de perceuse là.
La membrane, je crois. Oui. Ah, c'est une cuve, oui. On dirait une cuve. La membrane. On dirait, ouais. Une petite claire membrane, regarde, Patrick. Mais c'est vieux. Moi, je fais un Ah ben, c'est pas mal. Bon, alors moi, je relance pas. Mais sûr, Patrick, que tu ne veux pas venir à ma place. Non, pour que tu puisses pêcher. Parce que t'as un membre coincé, c'est ça? Non, non, il est là. Regarde, regarde, il est là. Non, mais c'est pas là. Allez, tu viens. C'est pour que tu puisses pêcher un peu. Tu prends ma place, moi je vais me mettre là. J'ai du matos. Oh, joli. Mais il n'y a pas tout ça au bout. Regarde, t'as même pas besoin d'aller dans l'eau. Hop là. Il nous voit ton ange. Je sais pas. Ouais. Regarde, hop. Il y en a devant, derrière. Non, parce que... Attends. Par contre, je vais attraper mon plateau pour que tu... Non, pour que tu puisses pêcher un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Oui, mais on ne voit pas, hein. Je crois qu'on va être obligé encore de... Donc, j'ai voulu laisser ma place, mon côté, à Patrick. Et Patrick, le pauvre, il vient de se recoincer. Donc, Philippe, il va reprendre le treuil. Oui, je suis là pour le treuil. Bon, je vais me mettre un nouveau métier, treuilleur. Merci de... T'inquiète pas, je te vois pas. Là. Je filme pas. Ah là là là. Et il s'en rappellera, Patrick, la première pêche. Ah, c'est pas pareil qu'avec Alain, là, en bâton, c'est sûr que c'est pas D'ailleurs, pareil. On en profite. Quand on se coince avec Alain, on part dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci. On en profite C'est difficile de partir. À Alain, d'avoir un bon rétablissement. Ouais. Mais attends, il est parti. Ouais. C'est parti, c'est lâché, non? C'est lâché, là. Voilà. Attends, abaisse un peu du pont, ça. Alors, ce truc, comme tu dis, en fait, avant, les ponts, ils étaient en bois. Et donc, ils plantaient ça, et ça leur, pour monter sur le pont, ça leur servait... D'échelle. Puis c'est pas trop dangereux comme outil, ça va? Non, oui. C'est surtout quand les trucs de... À savoir que tu as les canoës qui passent par là, oui, voilà. Quand ils font la descente de la lèvre. Ils tombent, mais remarque. S'ils tombent à l'eau, youpi, quoi. Youpi. Et un boulon. Et un boulon. De traverse. Et ben voilà. Allez, hop, là-bas au bout, là. N'arrêtez pas, il y a un moment, il va me ressortir. Bon, on est aussi, moi, je suis.
Non. Oh non, c'est pas vrai. Le pire, c'est qu'on le voit, les mains, là. Oh non. Attends, tu peux pas essayer de le truquer avec le crochet. Tu peux pas essayer de l'attraper avec le crochet. T'as vu? Ouais. Le mien, il est bon mort. C'est bien. Tu sais quoi, parce que j'ai senti, tu sais, de ce coup, ça fait fou. Merci, papa. C'est qui a fait l'air. À ton avis, c'est quoi ça, mon père? Je vais être encore crado. Regarde. Je sais pas, des fois c'est rempli de terre, il suffit de faire comme moi. Des fois je tape le bouton. Je suis mouillé. Ah ouais. Regarde, maman. Comment celle-là? Ah, c'est mignon ça. Oh, mais c'est un morceau de rail ça. Oui, je pense. Oui. Comme moi là, tu vois le gros là. Là, celui-là là, qui fait une espèce de. Lâche. J'ai mis une maison pour. Faudrait qu'il fasse une émission, un grand reportage comme ça. La pêche à l'eau, tout ça. Puis il y en a eu déjà. Mais sur la première chaîne? Sur la première? Non, il faut la première chaîne. Là, maintenant, c'est ce que j'ai dit. Merci. Il y en a une sur deux. Oui. Un grand reportage. Moi je dis, ici quand tu vois que j'ai fait ta. Oh merde, elle a pas été trouvée. Oh regarde ça. Et en fait, il faudrait que vous fassiez.
D'ailleurs, on a un truc. Ah ouais. Et vous avez fini de nettoyer le côté? On pense. D'accord. À part le truc. Celui-là, regarde. Ah oui. Ah non, mais non. Non, non, attends. Ah, je l'ai eu. Elle est belle, la barre. Oui, belle barre de fer. À tout faire. Chérie, pourquoi j'ai une épingle sur mon truc de fil, là? Ah, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'il y en a encore. Où est-ce que j'ai un? Bon les amis, je reviens vers vous, fin de la pêche. On en a sorti pas mal à 3. Oui. C'est plutôt pas mal. Les gamelles sont bien pleines. Et maintenant, ben, il faut faire retour au véhicule qui est bien plus loin. On va rire. Avec le passage des motos et des 4x4, c'est bien savonneux. Mais bon, on y arrivera. Bon, mais les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche. Pensez à liker, envoyer le petit pouce bleu. Et puis si vous voulez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. C'est gratos, comme je dis chaque fois. Et puis à bientôt pour une nouvelle pêche. Bye bye. La team vous souhaite une bonne soirée. Sorti les gars maintenant. Au pire, on prend la caisse, on va faire. Tu peux la porter les mêmes. Ma caisse. Je vais faire le. Tu vois? Avant, on n'avait pas le service, on se garait là-bas. On se garait pratiquement à côté. Que là, on a... Et voilà, nous repartons à la voiture et nous avons Patrick et Philippe qui tirent la carriole. Oula, ça penche.